On voit puissance 4. Est-ce que vous êtes déjà joué au jeu de société puissance 4? Bon, l'objectif du puissance 4, c'est de faire des lignes de 4. Ça marche? C'est pas compliqué. Bien, à partir du moment où un défenseur appuyé sur la place fille, l'attaquant ne peut plus y aller. Il n'y a pas de ballon pour l'instant magique, sinon ça va être trop compliqué. Est-ce que c'est OK? On a une équipe en attaque de 4, une équipe en défense de 4. Ça marche? Vous avez, on va utiliser un temps basket, vous avez 24 secondes. Vous avez 24 secondes pour vous organiser, pour réussir à faire une ligne. Est-ce que c'est bon? Alors les jaunes, vous allez vous mettre en attaque. Mettez-vous ici dans le demi-cercle. Les blancs, vous mettez en défense. Vous allez vous mettre sous le... Non, vous mettez dans le rond. Est-ce que vous voulez avoir 15 secondes pour faire un petit temps mort? Ok, go, 15 secondes. Même chose en défense. Go. Non, si, oui, c'est bon. Ok, on a l'inspiré. 4 secondes, record du monde. Bien. Vite, on inverse le rôle. Vous voulez 15 secondes de temps mort ou pas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes prêts? Go. Non, c'est pas bon, hein, il faut changer. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut changer. Vite, communiquer. Communiquer, bouger. Voilà, pour la première stratégie, elle ne marche pas et qu'on reste immobile, on ne va pas y arriver. Il vous reste 10 secondes. Ouais. Hop, terminé. Pas les 24 secondes, on inverse les rôles. Prêt? 5, 4, 3, 2, 1, go, dans la tâche. Ouais. Alors là, on voit ceux qui sont capables de communiquer ou pas pendant l'action.